coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo produit terminé. Donc j'ai un gros sac à vous présenter, donc je vais vous montrer parce que ça prend de la place. J'étais en train de vous dire parce que en fait j'avais commencé déjà à tourner cette vidéo dans ma salle à manger parce que j'étais toute seule de base avec Mel en bas. Et là en fait au final, bon Mathieu il est descendu, il a mis ses écouteurs, donc voilà, c'est pas grave. La chouchou, il descend. Et Camille, elle descend. Et Stella, elle monte sur la table. Et Kenma, elle passe devant la caméra. Du coup, j'ai préféré quitter. Et je vous recommence cette vidéo. Je vous mettrai peut-être un petit passage, là. Mais du coup, je recommence cette vidéo. Vous savez, quand on fait une vidéo, c'est mieux quand même d'être tranquille au calme. Bref. Donc, je vous disais, je me suis fait un capuche. Donc, vous allez certainement voir des produits que je vous ai déjà montré dans des précédents produits terminés. Peut-être des nouveaux. Écoutez, je ne sais pas. En fait, j'ai mis plusieurs produits terminés dans ce sac. J'ai dit, je vous les présenterai, même si je vous les ai déjà présentés. Parce que, ben, voilà. Si, en fait, je faisais voir des produits que vous avez jamais vus, enfin, que je vous ai jamais présentés, il y aurait un produit terminé une fois par an. Par contre, si je garderais tous les jours mes produits terminés, tous les jours, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo ou toutes les semaines deux produits terminés de la semaine, pas de la semaine ou de la journée, hein, parce que voilà. Hein. Bref, du coup, je recommence. Donc, j'étais en train de vous présenter du coup de la marque Repair l'hyper doux, donc l'assouplissant 27 lavages 1 litre 9. J'étais en train de vous dire là, c'est à la pêche, douceur de pêche. Et franchement, il est super bien. Et ouais, je le recommande. Là, ça sent à travers la bouteille. Moi, des fois, j'ajoute les Bilénor avec en plus. Parce que j'aime bien quand ça sent super bon. Mais franchement, il est vraiment pas mal. Et il n'est pas très cher à Leclerc. Donc, je vous le conseille. Je vais mettre mes produits derrière. Parce qu'après, du coup, je ferai ma miniature là. Parce que j'avais commencé à poser tout sur ma table en bas. Donc, j'étais en train de vous dire, du coup, aussi. J'avais déjà présenté trois produits, je crois. Donc, je vous montrais que j'avais terminé aussi de la marque Repair le viseur pamplemousse et vinaigre blanc, super dégraissant, 750 ml. Celui-là, je vous l'ai déjà dit, je prends toujours la marque Repair comme ça, le viseur en produit vaisselle, parce qu'il est vraiment très bien. Il y a celui-ci pamplemousse et vinaigre blanc, et il y a aussi pomme, je crois qu'il y a citron, enfin, il y en a plusieurs comme ça. On a un autre aussi, fruits rouges, je crois aussi. Et franchement, je change, mais j'aime beaucoup le pamplemousse et vinaigre blanc. Le fruit rouge j'aime beaucoup aussi, pomme franchement j'aime beaucoup aussi, mais genre je prends moins souvent le citron, mais ils sont super bien. Et pareil pour le prix, franchement c'est très très intéressant. Ensuite j'ai terminé, bon ça vous le connaissez, mon Carola ultra dégraissant comme d'habitude au savon de Marseille, dégraisse à fond, respecte les surfaces, 650 ml. Celui-là je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais c'est mon chouchou. Voilà, j'ai pas encore testé ceux que j'avais, enfin, il y a certains produits là, que je vous avais montré, j'ai acheté en promotion, et j'ai acheté plusieurs marques, plusieurs sortes de Carolin et d'autres marques, j'en ai testé quelques-uns, je les ai pas terminés, c'est pour ça que je voulais pas montrer encore, je crois pas là où j'en ai d'autres à vous montrer, je sais plus, mais pour l'instant c'est celui-ci qui reste mon chouchou, il est vraiment extra. J'en aurai un autre à vous parler dans un futur produit terminé, parce que franchement, c'est un que j'aime beaucoup aussi. Franchement, je le trouve vraiment top. Mais je vous en reparlerai plus tard, du coup. Il me reste une goutte. Et mais celui-là, vous savez, hein, franchement, en dégraissant celui-là, il est parfait. Et l'odeur, j'aime trop. En fait, le Carolin, j'aime trop. Voilà. Tout simplement. Le Carolin, c'est bon de Marseille. Je l'aime trop. Et bon, au niveau du prix, bon, c'est le prix d'un Carolin. Moi, j'en profite surtout, c'est quand il est en promotion. En promotion, j'en profite, je fais mon stock. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Là, il m'en reste encore un ou deux, je ne sais plus exactement. Bon, du coup, ce qui est mal fait ici, c'est qu'en bas, j'avais posé tout à côté de moi. Mais là, du coup, je vais devoir m'abaisser tous les deux minutes. Du coup, j'étais en train de vous dire aussi que j'avais terminé... On avait terminé de la marque Repair le Caréum gel douche hydraté nourri séduction 250 ml comme ça. Alors là vous voyez un fond, mais c'est parce qu'en fait on a mis de l'eau pour mélanger, remis de l'eau, donc en fait c'est de l'eau colorée qui reste. Et franchement ils sont super
Déjà, ils sont super bons. Et franchement, ils sont vraiment pas mal. Et les cariums, bah, ils sont quand même beaucoup moins chers que les autres gels douche et tout. Donc, moi, je vous les conseille. Bon, après, si vous avez des peaux fragiles et tout, je sais pas. Moi, je sais que Christophe, il a pas une peau non plus. Enfin, il a une peau quand même assez fragile. Qui marque vite tout ça. Mais franchement, moi, j'aime trop. Même moi, je me lave avec parce que j'adore l'odeur comme ça de l'homme. C'est trop, trop bien. Voilà. Ensuite, est-ce que je vous continue du coup? On va continuer dans les produits, hein, parce que je suis dans les produits, puis je vous terminerai. Là, par contre, je vois qu'il en reste beaucoup, donc je vais le remettre dans ma salle de bain en fait. J'avais pas vu qu'il m'en restait autant. Il est à l'envers quand je l'ai pris. Donc je vais le récupérer parce que là, il y a encore. De quoi se laver. Donc là, c'est le cottage au monoï. Cottage. Au monoï, douche huile extra nourrissante. Peau sèche et sensible. Là, c'est écrit quoi? 97% d'ingrédients d'origine naturelle. 250 ml. Franchement, il sent super bon. Il est vraiment. C'est un bon gel douche. Je vous le conseille. Bon, celui-là, je vais le mettre là-bas pour la photo. Mais du coup, je vais le récupérer parce qu'en fait, il en reste quand même pas mal. Je vais pas perdre une ou deux douches. Hein, clairement. Donc, franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. Au niveau des côtés. Cottage comme ça, moi j'aime bien aussi, c'est le caramel. Mais là, franchement, le monoï, il sent bon aussi. Ça, j'avais eu dans un coffret qu'on m'avait offert. Hein, parce que j'achète pas spécialement la marque Cottage, mais je pourrais acheter. Hein. Mais c'est parce que voilà, hein, tout de suite c'est un peu plus cher. Donc, là, on a terminé un mix-up bébé comme ça. C'est un shampoing très doux, ne pique pas les yeux. Évite les nœuds, vous savez, comme dans la pub. Formule adaptée au lavage fréquent des cheveux d'adultes. Rend les cheveux brillants et éclatants de santé 250 ml. Je l'aime trop, trop, trop. Je ne sais plus pourquoi j'avais acheté celui-là. Je pense peut-être pour Mel. Mais je l'aime trop. Quand je me lave les cheveux avec celui-là, j'aime trop. Il sent trop bon. C'est vrai que mes cheveux, franchement, ils sont super doux, super. J'aime trop. Voilà. Donc même si c'est un peu plus cher, je pense que moi pour mes cheveux, voilà, j'ai encore des autres shampoings à terminer, mais je crois que je vais rester sur le mix à bébé. Je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop. J'aime trop son odeur, tout ça. Ouais, je la kiffe. Est-ce qu'on a encore des produits? Je le kiffe tellement que je voulais garder deux fois. Je voulais être sûre de vous le présenter. Vous voyez? Ensuite. On a terminé un petit marseillais comme ça. Donc là, c'est lait de vanille bio. Franchement, ils sont bons. Ça sent la vanille, hein, clairement. Et là aussi, il en reste un peu. Hein. On va pouvoir se laver la semaine hein, avec tout ce que je vais récupérer. C'est pareil, c'est 250 ml. Hydraté nourri. pH neutre, sans colorant. Bon, les petits Marseillais, là c'était une promotion que j'avais acheté. Ça vaut le coup en fait quand ils sont en promotion, c'est le lot de 3, je crois. Ça revient même pas à 1 € le gel douche, donc ça vaut vraiment le coup. Donc quand ils sont en promotion, j'en profite. Sinon, j'achète pas forcément la marque Le Petit Marseillais. Voilà. J'achète vraiment que pendant les promotions. Mais franchement, il sent bon. Voilà, je vous le conseille, hein, mais je l'achète pas spécialement s'il n'y a pas la promotion. Tout simplement. On va pas se mentir. Ensuite, on a terminé de la marque Repair un carium encore, mais là c'est le tonifiant. Hydrate et rafraîchit, 250 ml comme tout à l'heure, donc là c'est le bleu. Celui-là, oh, c'est trop, trop. C'est encore meilleur, j'ai l'impression que le rouge. Je l'aime trop. Et franchement, bah, comme je vous ai dit, les prix c'est vraiment raisonnable pour les gels douche comme ça, et ils sont vraiment bien. Et même après la douche, ça sent trop. Ça sent vraiment le gel douche, j'aime trop. Voilà. Est-ce que j'ai encore des produits à vous montrer? J'en ai un ici. Alors, j'en ai encore un là. J'en ai encore un là. On a des produits cette fois-ci. J'ai celui-là. Attendez, je les sors comme ça. Au moins, après vous allez me voir. Sinon. Ça va être chiant. Bon, bah écoutez, il y a beaucoup de produits quand même. Puis après, il reste au niveau de la nourriture, quoi. Alors, nous avons terminé un Garnier Fructis comme ça.
Anti-pelliculaire, deux en un. J'achète souvent pour Christophe ceux-là parce que Christophe, si en fait on n'achète pas les anti-pelliculaires, il a tendance à vite rattraper des pellicules. Donc là, cheveux normaux, fortifiant démêlant. Bon, même s'il n'a pas beaucoup de cheveux, mais il a des pellicules quand même. Extrait de thé vert, et avec celui-là, ça marche super bien. 250 ml. Franchement, il est super bien aussi celui-là. Oh, ils sont trop bons. Oh, ils sont trop mauvais en plus. Extrait de thé vert, ils sont trop bons. Et ben d'ailleurs, je crois qu'on a fini. Ouais, les deux mêmes. Vous voyez, je ne sais même pas ce que je vous mets de côté pour vous montrer. En fait, c'est les deux mêmes. Et ça, franchement, ils sont vraiment top ces shampoings-là aussi. Le shampoing, franchement, que ce soit Mixa Bébé ou le Fructis Garni, j'achète parce que j'aime trop. Mais ceux-là, c'est pareil. Je profite en principe quand ils sont en promotion ou j'en achète un de temps en temps à Christophe ou alors il en prend un autre. Mais sinon, vraiment, s'il y a des promotions, je profite. Mais franchement, il n'est pas non plus excessif, ça va. Et franchement, j'aime trop celui-là. Je l'aime trop. Je vais devoir le mettre par terre parce que j'ai déjà plus de place. Je vous avais déjà montré, j'avais pris le Endless Scent. Donc c'est les granulés floral. Il reste une bille dedans. C'est un 275 grammes. Ça vient d'Action. Je vous ai dit le prix la dernière fois, il n'est pas très cher. Il sent super bon. Franchement, bon, les Bilénor, elles sentent quand même un peu plus fort et un peu plus longtemps. Mais celui-ci, franchement, vu le prix, il vaut vraiment le coup et il fait vraiment l'affaire en fait. Il est vraiment top. Oh, ils sont trop bons en plus. Le Endless Scent, les granulés, c'est environ 16 machines. Moi, j'en fais beaucoup plus que ça. J'en ai peut-être pas assez en fait de billes, mais j'en ai pas une tonne en fait. Il est top et il est vraiment pas très cher à Action. Si vous avez l'action et que vous voulez tester, franchement, je vous conseille. Nous avons terminé de la marque Nivea. C'est qui m'envoie des messages? La marque Nivea, une crème de douche. Donc là, c'est une crème de douche. Ingrédient de parfum unique à la Nivea crème, 250 ml. Donc ça, Christophe, il n'aime pas du tout parce que c'est vraiment, ça fait pas comme le gel douche, ça fait vraiment un effet crème. Moi, j'aime trop l'effet crème et en plus, le Nivea, ils sont trop trop bons. Vraiment. Oh, ça sent la Nivea. Si vous connaissez la Nivea, ça sent la Nivea, clairement, hein, comme la crème. Exactement, mais c'est une crème de douche. Moi, j'aime trop. Christophe n'aime pas la crème de douche. Il préfère le gel douche, il n'aime pas la crème de douche. Moi, j'aime trop la crème de douche. Je vous le conseille, mais ça, c'est pareil. Soit on me l'avait donné, ou soit je l'avais acheté en promotion, mais de base, j'achète pas. Mais si je peux le retrouver à des prix intéressants, je le reprends. Nivea crème, il est trop bien. On a fini, c'est pas moi qui a fini, c'est Alexis. Un Umbro, donc ça c'est le gel douche qu'il avait eu à son anniversaire. En fait, entre deux, il se lave avec les marques repères et entre deux, il prenait son Umbro. Moi, je me suis pas lavé avec, je sais pas. Ouais, il est léger quoi. Body wash 300 ml, le Umbro Ice. Ils sont bons, bon, Alexis, apparemment, voilà, hein. Il a fini. Donc, mais bon, après, je lui avais acheté pour son anniversaire, parce que c'est Camille qui lui avait acheté pour lui faire un coffret, vous savez. Donc, elle lui avait acheté un gel douche comme ça. Il sent bon, mais ouais, il y a mieux, quoi. C'était un cadeau pour Alex. J'ai fini hein, les Nord comme ça, liquide. Donc, là, c'est collection bouquet mystère. Love 60 lavage 1 litre 38. L'énorme. J'ai pas besoin de vous en parler. En plus, le violet comme ça. C'est magnifique. L'odeur. C'est parfait. J'aime trop. Ça, c'est pareil. J'essaye de profiter quand ils sont en promotion. Mais il y a de moins en moins de promotions sur les Nord et tout. Et sinon, de base, un bidon comme ça, je trouve que c'est assez cher quand même. Hein, maintenant, c'est de plus en plus cher en plus. Mais quand je peux en avoir en promotion, j'en prends d'avance aussi. Parce que les Nord, je l'aime trop, 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 trop. On a terminé un cadeau. Bon, ça, vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Donc là, c'est le sans savon. Donc, je prends pour les filles. Pour Mel et Camille maintenant. Ça c'est 750 ml. Franchement, je les trouve
Ils sont rechargeables en plus, je peux trouver. Apparemment, ils vendent à genre à Lidl et tout. J'ai déjà vu qu'ils vendaient les recharges. J'ai pas regardé vraiment les prix. Bon, après, moi, je les trouve à plus petit prix que au magasin. Parce qu'au magasin, genre, il y a des fois, ça peut être 4-5 euros, je crois. Moi, je les trouve à 2 euros. Mais pas toujours les mêmes parfums. Et là, c'est le sans savon. Il est vraiment top. Mais j'en ai beaucoup d'autres pareils à tester. Je vous en reparlerai. Mais franchement, celui-là, déjà pour mes filles, le sans savon, il est super. Bouchon rouge. Il est top, top, top. Mes filles qui ont la peau fragile, elles ont rien du tout. Donc ça, tout à l'heure, Christophe, il est arrivé quand il est descendu. Il vous a parlé de ça alors que je ne vous l'avais pas encore montré. Donc le déo L'Oréal Men Expert. Black Mineral, 48 heures, spray, 150 ml, bref. Donc Chouchou, quand il est arrivé, il vous a dit, c'est nul, ça pue, ne l'achetez pas. Voilà. Moi, je ne l'ai pas testé, mais je vous dis les paroles de Chouchou. Si je peux, je vous les repasserai là, ces paroles. C'est nul, ça pue, ne l'achetez pas. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Bon, là par contre, le Axe, ça c'est le déo préféré de Chouchou. Il achète que celui-ci. Il dit que c'est le meilleur. Les parfums, on change. Là c'est Mojito et Bois de Cèdre. 48 heures, non-stop frais. Déodorant, body spray. 200 ml. Celui-là, bah, voilà, le Axe et le Chouchou, Christophe. Il en faut toujours un peu d'avance. On avait acheté, enfin, il avait acheté celui-là. Non, c'est un collègue qui lui avait donné, je crois, ou qu'il avait acheté, je ne sais plus, à ses collègues. Bref, mais il n'aime pas du tout l'autre. Christophe, c'est le Axe. C'est tout. Donc, le Axe, il adore. Peu importe le parfum. Bon, il y en a qui sortent meilleurs que d'autres, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà. Si c'est pas Axe, Chouchou, il n'aime pas. Voilà. J'ai terminé pour les produits. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai là. Alors on a acheté les escalopes de poulet à la normande marque Repère. Donc ça c'est comme ça avec vous savez jambon champignon. Moi j'aime trop les escalopes à la normande, ils sont trop bons. Mais alors par contre marque Repère, ils sont trop bons. Après c'est chacun ses goûts, on n'a pas les mêmes voilà les mêmes goûts. Hein. Marque Repère j'adore. Père Dodu c'est dégueu. Enfin, moi je trouve ça dégueu. Je préfère la marque Repère. En plus, il est moins cher. Et franchement, je le trouve meilleur. Après, voilà, comme je vous ai dit, chacun ses goûts. Mais celui-là, moi, perso, je le valide. Je l'aime trop. Les filles ont terminé une boîte de bonbons comme ça. Où je vous avais montré Vita Craft, Vita Rolls. Ceux-là, je les ai achetés à Leclerc aussi, il me semble. 400 grammes. Bon, ça va, écoutez, elles ont aimé. Hein. Le salade dinde, apparemment, c'est ça. Ouais, ça doit être à la dingue. Elles ont aimé. Daisy, on est obligé de lui couper parce qu'ils sont quand même, vous voyez, quand même assez gros, assez épais. Donc Daisy, elle avait du mal. Mais franchement, sinon, bah, Elsa, elle aime beaucoup. Daisy, bon, on lui coupait, mais elle les mangeait. Stella, elle n'en veut pas. Hein. Mais franchement, ils se sont régalés, mes filles. Donc j'en rachèterai. Mais là, quand j'ai refait mes courses, il n'y en a plus. Il n'y en avait plus. Terminé une boîte de cornets fruits rouges de la marque Repère Trium sauce framboise, il y en a 6 à l'intérieur. Moi je ne mange pas du tout ça, j'aime pas aux fruits rouges du tout. Moi c'est les cornets comme ça, c'est que chocolat. Christophe il les adore, Mathieu il les adore et Camille elle aime bien aussi ceux-là aux fruits rouges, mais c'est plus Christophe et Mathieu voilà qu'ils aiment. Voilà, ah il y avait encore un truc de produit. Tant pis, je vous montre maintenant. J'ai terminé un paquet de lingettes Saint-Marc. Alors de base, j'achète les lingettes marque Repère. Elles sont super bonnes. Elles sont pas très chères et franchement, elles sont super efficaces. Mais là, ma mère, elle vendait en fait les lingettes Saint-Marc. Donc c'est 40 lingettes larges, équivalent à 80 lingettes normales, donc les petites lingettes. Élimine 99,9% des bactéries, le virus du Covid-19. Et franchement, c'est au soleil de Corse, pamplemousse. J'aime trop les Saint-Marc comme ça. Ben là, d'ailleurs, j'ai encore deux paquets complets et un que j'ai bientôt terminé encore.
Peut-être vous allez le revoir dans le prochain parce que je vais plus m'en rappeler, je vais peut-être vous le relaisser de côté. Et franchement, je les aime trop. Les Saint-Marc, je vous les conseille. Je les aime trop. Elles sentent super bonnes. Par contre, les lingettes comme ça, le problème, c'est que je trouve qu'elles sèchent assez vite. Enfin, pas dans le paquet, hein. Dans le paquet, franchement, elles sont bien humides. Mais je veux dire, genre, quand vous voyez, je lave ma table de salle à manger. J'ai le temps de laver ma table de salle à manger, il ne faut pas abuser. Mais genre, je ne vais pas pouvoir refaire un petit meuble à côté parce que la lingette, elle va vite sécher en fait. Mais franchement, elles sont trop bonnes. Et elles sont super bien. Moi, les lingettes là, je les aime trop. On avait terminé les de la marque Charal, les mini boulettes. Vous savez, je vous ai dit en fait, moi j'achète toujours la marque Charal, les mini boulettes comme ça. Parce qu'elles sont trop trop bonnes. Tout le monde aime du coup les boulettes de la marque Charal comme ça. Et voilà, c'est des paquets de 750 grammes. Par contre, c'est hyper cher. Parce que avant, on les payait beaucoup moins cher. Mais alors maintenant, c'est plus de 7 euros le paquet. C'est abusé. Mais c'est pas tout le temps. Une fois de temps en temps, on les achète. Et nous, on aime tous. On fait ça avec des spaghettis. Et c'est top. Voilà. On a terminé également. S'il y a des trucs dedans, bah ouais, voilà, on a encore des produits. En même temps, si je mets tout dans les boîtes. Nous avons terminé de la marque Repère les cordons bleus. On avait pris comme ça, là, c'était les surgelés. Et en fait, je me suis trompée parce que de base, je prenais pas les surgelés. Mais franchement, ils sont trop bons. Ils sont super bons. Et pareil, je préfère la marque Repère que les paires de Dus. En fait, je crois que la marque paires de Dus, j'aime pas du tout. Et là, de la marque Repère, les cordons bleus, ils sont très bons, ça passe super bien. Nous, on fait ça avec des pâtes, c'est super bon. Par contre, là, on avait pris bon, moi, je me suis régalée, hein, mais les mêmes, mais pas surgelés. Les chouchous, il y a moins aimé. Alors, peut-être parce qu'il était malade, mais ils sont trop bons. Ils sont très, très bons, ça fait très bien à faire. Nous avons terminé de la marque Repère des Triangolos. Vous savez, c'est la sous-marque de Vache qui rit. Il y a 24 portions à l'intérieur. Franchement, ils sont super bonnes. Voilà, ils sont super bonnes, il n'y a rien à dire. Franchement, bah, nous, on n'achète même pas la marque Vache qui rit, on n'achète que les Triangolos. Vous les voyez souvent dans les retours de course. À chaque fois que j'en rachète, je prends la marque Triangolos. Ils sont très très bien. Par contre, j'ai fait mon cappuccino, mais il va être froid, quoi. Je vais rester un petit peu plus longtemps avec moi, c'est pas grave. Pas grave, hein, écoutez. Ceux qui sont pas contents, bah, vous passez 2 minutes. Il est déjà en train de refroidir. Ensuite, nous avons terminé. J'espère que j'ai pas mis des autres trucs dans les boîtes. Non. Nous avons terminé. Ah, oups. Ah oui, les cordons bleus. Mais là, c'est pas les surgelés. C'est par deux et c'est. Bon, c'est pas surgelé. Ils sont très très bons en fait. Là, je pense que Chouchou, il s'est pas régalé parce qu'il était malade. C'est pour ça. Les filles ont fini les mini froliques complets. Donc là, c'est des mini froliques à la volaille, aux légumes et aux céréales. C'est les paquets de 1 kg. C'est des petits froliques, du coup. Mais c'est super bien parce que bah, les filles, elles vieillissent aussi, quoi. Et elles adorent les froliques. Les mini froliques. Elles n'en mangent pas énormément. J'en mets pas tout le temps. Et je mélange avec les Pédigrés. En fait, j'ai des Pédigrés de la marque Repère et des froliques. Et du coup, je leur mélange un peu les trois dans la gamelle. Mais elles aiment beaucoup les froliques. Donc j'en ai racheté un paquet de coco. Voilà, nous avons terminé un savane au chocolat. Ça, c'est trop trop bon, franchement. C'est trop bon. Mel, elle adore. Alex, il adore aussi. En ce moment, Alex, il se régale avec les savanes. D'ailleurs, il y a une des boîtes comme ça. Bah, regardez. Oui. Il y a une des boîtes que c'est Alex qui a mangé tout seul. Et Mel, elle l'adore. Là d'ailleurs, j'en ai encore une boîte dans l'armoire qui est bientôt terminée. Parce que Mel, elle en mange beaucoup en ce moment. Alex aussi. Et moi, de temps en temps, j'aime bien piquer un petit bout. Les savanes, comme ça, Brossard. Franchement, c'est trop bon. Du coup, je jette tout. Ah, j'ai terminé également pour mes chipettes, comme d'habitude. En fait, je voulais pas vous la montrer. C'est parce que Chouchou garde les boîtes. Donc, les bonbons, hein. Poulet fromage, comme d'habitude, 60 grammes. Hein, Leclerc. Je crois que c'est 1,01€, 1,03€, ça dépend, ça bascule.
Voilà. Du coup, il me reste deux produits et après, il me reste des boissons. On a terminé un sans soudine. Donc, non, il est pas terminé. Je vous ai pris la boîte, mais il reste un fond. Ça, je l'ai appelé. Je l'ai acheté pour Christophe. Le sans soudine recommandé par les dentistes. Sensibilité et gencives améliore la santé des gencives. Menthe douce. Double action clinique prouvée plus protection du quotidien, 75 ml. Ça, je l'ai acheté pour Christophe parce que bah, il devait acheter. En fait, le dentiste avait prescrit un dentiste à la pharmacie. Un dentifrice, pas un dentiste. Un dentifrice à la pharmacie. Et la pharmacienne m'a dit, oui, pour gencive sensible, je vais plus arriver à parler. Vous en trouvez un magasin. Elle dit là, vous allez payer, je crois que c'était 7 euros ou 8 euros. Celui-là, il a pas tout à fait 3 euros, donc il est quand même beaucoup moins cher, quoi. Donc, du coup, voilà, on a acheté ça et Christophe se sert de ça. Écoutez, il se prend pas de ses gencives, rien du tout. Donc, c'est que ça a l'air de lui aller. Nous avons fini un Colgate. On aime bien changer, donc on a plein de marques de dentifrice, hein, mais voilà. On a tous un peu nos préférés, mais je change. Les dentifrices, franchement, je prends souvent des marques, mais je profite souvent des promotions. Parce que ça, c'est pareil. Hein. Des fois, vous en achetez un. Ça coûte la peau du cul et vous l'achetez en promotion, ça coûte même pas 1 euro. Donc voilà. Donc là, c'est Colgate Total. En français, ça donne quoi? Répare, revitalise, rafraîchit, une défense antibactérienne renforcée de 24 heures. Il est vraiment pas mal, ça. Bon, c'est un dentifrice. Il est pas mal. Ensuite, je vais vous terminer par les boissons. Donc là, je crois que je vous ai gardé deux fois le même. J'aime bien que vous les gardez en double. Donc, c'est le Joker Maxi Format sans pulpe à l'orange. Donc, nous, on a pris ça pour les petits déjeuners. Franchement, et là, c'était une promotion. Donc, j'avais profité. Le Joker, il a vraiment le goût fort d'orange. Mais il est super bon. Il est trop bon. Je vous le conseille, mais moi je l'ai acheté en promotion parce que c'est pas pour rien. Franchement, le Joker, il est quand même assez cher. Donc moi, j'en ai profité en promotion. Là, en ce moment, j'ai pris le jus d'orange. Je crois que c'est la marque Repère, il me semble. Il est très bon aussi. Voilà. Mais sinon, là, le Joker, franchement, il a vraiment bien le goût de jus d'orange. Et il est très bon pour le petit déjeuner. Et je n'ai pas eu mal à l'estomac avec le Joker. Je préfère préciser. Tandis que là, j'ai eu une promotion sur le Sunny Delight. Donc le Sunny Delight, alors on a pris celui-ci, acidulé Florida. Il n'a pas fait... Qui l'a aimé celui-là? Christophe et Camille, je crois. C'est tout. Je crois qu'il n'y a que Camille et Christophe qui l'ont aimé. Il me semble, hein, si je ne vous dis pas de bêtises, à l'eau de source. Donc là, c'est pamplemousse, orange, clémentine, etc. 1,25 litre. C'est parce que c'était une promotion avec le deuxième. Mais pas ouf. Et franchement, celui-là, bah, c'est pas celui-là. Moi, j'ai pas goûté celui-là. Ah si, j'ai goûté, mais j'ai pas aimé. Et il y avait le Sunny Delight comme ça. Donc là, c'est le Doux California. Donc c'est uniquement orange à l'eau de source. Vitamine A, C, E. Celui-là, je l'ai goûté, il est très bon. Alors par contre, on voit que c'est coupé à l'eau et que voilà, il n'y a pas beaucoup de goût de jus d'orange. Mais celui-là, j'ai eu trop mal à l'estomac, celui-là. J'ai eu ouais, le Joker qui a bien le goût de jus d'orange. J'avais pas mal à l'estomac. Celui-là, j'avais trop mal à l'estomac. Il est bon, hein, mais trop mal à l'estomac. Donc je préfère le Joker. Clairement, je préfère le Joker. Voilà, les amis, j'ai fini un sac complet de produits terminés. Je vais pouvoir aller jeter tout ça. Ça va me faire de la place dans ma pièce. Un sac, un gros sac. Vous savez, des gros sacs en tissu. Il était plein. Je vais faire la photo de miniature et je vais pouvoir aller mettre tout ça à la poubelle. Et voilà. Bon, là, on a pareil, hein, si vous voulez. On a terminé le Longo, plantation. On garde les boîtes, en fait, pour dans la pièce, on en a besoin. Bref. Et le plantage, je vous ai déjà dit, hein, les dosettes comme ça, sous marque, plantation, marque Repère. Pour la Dolce Gusto, ils sont très très bons, très très bonnes. Franchement, y a Cynthia qui m'avait donné aussi la marque comme ça, le cappuccino. Donc je sais pas trouvé moi. Moi je l'ai pas trouvé. Je sais pas si elle l'a eu dans le Leclerc là, mais moi je l'ai pas trouvé.
J'ai pas trouvé la sous-marque de cappuccino. Alors, il est bon, franchement. Mais là, on sent quand même la différence avec le vrai Dolce Gusto, clairement. Mais franchement, il est bon. Donc, voilà. Bon, allez, j'espère quand même que ce produit terminé vous aura plu. Vous êtes resté une demi-heure avec moi, sans compter voilà, que tout le monde m'a dérangé en bas. J'espère quand même que ce produit terminé vous aura plu. Et puis, ben, j'essaye de vous mettre différents produits la prochaine fois. Mais comme je vous ai dit, on achète souvent les mêmes produits à la maison. Voilà, vous voyez, les pâtes et les chipettes, ça va être souvent les mêmes. Les bonbons, ça restera toujours les mêmes. Christophe, ben, regardez, il finit toujours son eau fraîche à la fraise. Voilà, il vient de la terminer. Donc, je vais la descendre du coup. Christophe, il prend que ça. Et voilà, il se régale. Le matin, pour le petit-déj, oui, on change. Mais là, c'était parce que c'était une promotion. Au niveau des produits vaisselle, ça reste le même. Assouplissant, bah, je vous ai montré. Puis après, c'est le Lénor ou celui de Action. Voilà. Donc, le Carolin, il y en aura normalement toujours dans ma maison. À moins qu'il n'existe plus, mais sinon, il sera toujours chez moi. Le Caréum, on va en racheter. Le petit Marseillais, là. Ouais. Ça, je vous ai dit, c'est uniquement quand il y a des promotions. Mais sinon, ça reste toujours les mêmes produits. Donc, j'essaye entre deux de vous garder des produits que je vous ai pas présenté, mais c'est pas évident. Donc soit je vous fais une vidéo chaque jour avec les produits terminés du jour ou chaque semaine, ou soit ben, vous allez attendre un an pour avoir des produits peut-être que je ne vous aurais jamais montré. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrête de parler parce que ça fait voilà plus de 30 minutes. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À demain pour un prochain vlog, pour retour de course, etc. etc. J'aurais beaucoup bégayé dans cette vidéo. Allez, bisous.